oreilles, on y est dans un instant. C'est le grand match, c'est la finale de la Ligue des Champions. Qui va sortir vainqueur de ce duel acharné? On est impatient de le découvrir. De la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite, la finale UEFA Champions League, le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. La finale de la UEFA Champions League, c'est le dernier match de la saison, son point culminant. C'est comme si un alpinisme, pour finir une ascension, il fait rester l'Everest. Sur la frappe, voilà, elle est contre cette frappe. Moussiala, c'est bien vu la passe, bien reçu dans toute la défense. Et la belle parade là. Le corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Et oui, le tir. Oui, la parade. Corner. De nouveau. Le corner. Et pour le signe de la défense, la tête est manquée. Sur le côté, le Borussia a de l'espace. Allons vers Julian Brandt. Le tir depuis cet endroit de la surface, c'est sans doute pas la meilleure des idées. Le ballon passe très largement loin du but. Il dit bye bye à la cage. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Ouais, c'est bien fait, la bonne progression. Et ça joue sur Harry Kane. Et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste, là c'est sorti. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Leroy Sané face à face avec le gardien. Une action conclue par une magnifique frappe. Le plus dur était fait, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Facile, ça passe. Harry Kane. Oh, la bonne parade. C'est bien parti pour ce corner. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Le pressing paye, ballon récupéré très haut.
un hors-jeu très clair. C'est vrai que depuis une quinzaine de minutes, le Bayern Munich monopolise le ballon. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude pour réussir à prendre l'avantage. Mais c'est intercepté ce ballon et le Bayern perd la possession. Leroy Sané, un petit peu de liberté sur l'aile. Une bonne position pour Kane. Goal ! Mais quel but ! Quel génie ! Quel artiste ! Quel esthète ! C'est un but pour mettre dans une galerie d'art. Regardez cette classe. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Emre Can. Ouais, c'est très bien. Le ballon pour Leroy Sané. Ouais, la frappe, ça part bien. Ah non, c'est contré. Le ballon qui sort, remise en jeu pour le Bayern. Leroy Sané avec le ballon. Et non, c'est manqué à cet endroit du terrain. C'était plutôt bien porté. Le score reste serré pour l'instant. Julian Brandt. Et voilà, un ballon récupéré. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Là, sur le côté de Leroy Sané, il a de l'espace. Corner donc pour le Bayern. Peut-être l'opportunité de creuser l'écart. Là, le corner bien tiré. L'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Ah, il prend sa chance de loin. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Deuxième période ici, le Bayern mène toujours d'un but dans ce match. Harry Kane, ça fait 3 points le filet, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste les termine ce match. C'est tiré. Attention à ce tir. Mais quel dommage, c'était l'occasion de revenir à une longueur. Effectivement, et là c'était plus du tout la même histoire. Ils sont commettre de faute, le ballon est récupéré. Et le face-à-face à venir. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Voilà son troisième but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans son petit musée personnel. C'est parfait.
Les stats de position proche du côté du Bayern, c'est en partie grâce à l'excellente circulation de ballon que le score est aussi large. La domination est totale et l'équipe est parfaitement serrée. C'est un bon ballon ça. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis dans nos positions, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Ça va vers le point de pénalty. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Ah, la frappe part plutôt bien. Et la belle parade là. Brandt. La projection dans le temps de l'adversaire. Ah non, finalement le ballon est perdu. Emre Can reçoit le ballon. Et bien joué dans la profondeur. C'est un bon ballon, c'est un peu Moussiala. La frappe puissante passe très loin de la cage alors que le but semblait tout fort. Quelle erreur! Dans les tribunes, c'est la stupéfaction! Et le Bayern qui va faire rentrer du 109 dans ce match. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Julian Brandt. Savitzer, c'est un ballon. Position à l'air. Et il frappe en force qui finit. Cette distance en plus, pas terrible du tout. Dabry. La récupération haute, bon pressing. Magnifique ce contre. Savitzer. Empêcher le tir. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Il y a du monde là, quelques possibilités. Pressing réussi, pressing payant. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et à aucun moment cette équipe a été en danger tant elle a dominé son adversaire. Belle technique là. Et bien sûr que l'arbitre signale la pause. Le coup franc à suivre. Voilà, le remplacement intervient. Et pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Touche à venir. Récupération du ballon et 2 minutes minimum de temps additionnel. Et bien fait, quelle ouverture! Excellente intervention! Corner bien joué, bien frappé. Le ballon dégagé in extremis sur la ligne. Et le gardien était bien vigilant. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Il remporte cette Ligue des Champions. Vamos, grande los campeones. Et oui, ils l'ont fait. Ils ont été chercher la victoire sur le toit d'Europe. On peine à y croire, c'est un moment extraordinaire sur le terrain. Certains sont heureux, effondrés, d'autres sont dans l'âme. Quel final. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non! C'est le moment de le dire! Gracias football! Gracias football! Et voilà, c'est le grand moment pour toute la Bavière. La remise de la coupe, on l'a vu des centaines de fois. Et c'est toujours très émouvant. Et oui, c'est la photo que tout le monde va regarder et retenir. Pour le Bayern Munich, c'est pas sa première.
Et à chaque fois, c'est quand même un énorme événement pour le club. Et l'événement à venir dans quelques instants avec cette coupe. Et voilà, le Bayern soulève la Ligue des Champions. C'est comme ça. Les grands clubs, ils ne sont jamais lassés de remporter des trophées. Et tous les ans, la Ligue des Champions, c'est l'objectif ultime. Entre le Bayern et la Coupe d'Europe, c'est l'histoire d'amour. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la Coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football nous promet des émotions et de la beauté. Il n'a pas plus belle consécration. Et voilà, c'est le moment traditionnel. C'est l'heure de la photo. La photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une des journaux, elle va faire le tour du monde.